بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Vous l'aurez compris, le sujet de ce podcast est à propos de cette nuit extraordinaire qui est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Qu'est-ce qui se passe durant cette nuit et qu'est-ce que nous devons faire pour profiter pleinement et au maximum de cette nuit? Moi, je vais te proposer deux choses, ou bien deux objectifs, pour te clarifier les choses et pour te simplifier les choses, pour que tu puisses passer directement à l'action. Il est important, pour réussir cette nuit, de renouveler son contrat, de renouveler son cheminement, de renouveler sa relation avec Allah Azzawajal en premier lieu, et ensuite d'améliorer sa relation avec les gens, notre famille, nos proches, les personnes que l'on côtoie, nos amis, nos fréquentations et la société en général. Aïcha radiallahu anha est venue voir le prophète alayhi salatu wasalam et lui dit: si j'atteins la nuit du destin, si j'arrive à trouver et que je veille durant cette nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire? Elle lui demande, elle veut avoir toutes les clés en main et se dire: si jamais j'arrive à tomber sur la nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire pour être au maximum, pour être au top du top? Et le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il lui répond? Il ne complique pas la chose, encore une fois, il simplifie les choses. Et il lui dit: dis cette invocation, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Il ne lui a pas dit veille durant toute la nuit, il ne lui a pas dit donne des milliers et des milliers de dinars, etc. Il lui a dit simplement répéter Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Alors, première action à mettre en place, c'est que si tu ne connais pas cette invocation, je t'invite à la prendre dès ce soir pour pouvoir la répéter durant ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Maintenant, on va expliquer un peu plus cette invocation-là. Je vais la répéter encore une deuxième fois et tu vas te rendre compte du mot qui revient, ou de la racine du mot en arabe qui revient souvent. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Donc le terme qui prend la racine de l'afou, il vient trois fois sous différentes formes. Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Et donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla a voulu insister sur ces mots-là? Pourquoi le Prophète sallam nous a donné ce hadith-là précisément et pas un autre? Pourquoi nous ne devons pas demander à Allah le pardon en disant Astaghfirullah? Pourquoi il ne lui a pas dit Istaghfiri Rabbaki? Pourquoi il ne lui a pas dit de répéter l'istighfar? Eh bien, en réalité, dans la langue arabe, il y a une différence entre Al-Af et le fait de Al-Ghufran. Alors en fait, quand Allah pardonne par le biais de l'istighfar, il nous pardonne, mais le jour du jugement, il nous exposera nos péchés et il nous dira: tu as fait telle ou telle ou telle chose, mais je t'ai pardonné. La différence avec l'af, donc c'est ce que nous demandons, ce que nous espérons et ce qu'Allah nous promet durant la nuit du destin, c'est que en plus de nous pardonner, il nous efface nos péchés, c'est-à-dire que ils n'ont plus aucune trace. C'est-à-dire ces pages-là que les anges écrivent de tes péchés, ils n'auront plus aucune trace, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu pourras t'en souvenir ou tu pourras les oublier, mais le jour du jugement, ils ne seront pas cités devant Allah Azza wa Jalla. C'est pour nous dire que la nuit du destin, c'est une nuit de renaissance. C'est une page blanche, un nouveau départ. C'est pour ça que, en réalité, c'est ça vraiment notre nouvelle année, où nous devons mettre en place des résolutions, parce que c'est là le nouveau départ. Mais ce n'est pas un départ avec lequel tu pars avec un bagage, une culpabilité, où tu vas te dire j'ai des manquements. Même si tu n'as pas
mis en place tout ce qu'il fallait durant ce Ramadan-là. Même si tu es déçu de toi, même si tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, ou tu as été influencé par ton entourage, ou ton rythme de travail, ou autre, dis-toi que tu as encore une chance durant ces 10 derniers jours pour que Allah Azzawajal te pardonne tout et que tu partes sur un nouveau départ. Il s'agit de 10 jours. Et la nuit du destin est cachée durant ces 10 jours. Pourquoi ? Pour que Allah Azzawajal, il veut qu'on fasse en sorte de mettre tous nos efforts et de mobiliser toute notre force et notre énergie pour ne pas se reposer sur un seul jour. Il aurait pu nous dire que c'était le 27, et d'ailleurs beaucoup de personnes reposent sur le 27, mais tous les ans, Allah Azzawajal, il change cette nuit du destin. Ce n'est pas tout le temps le 21, ce n'est pas tout le temps le 25, ce n'est pas tout le temps le 27 ni le 29. Donc c'est fait volontairement par Allah Azzawajal pour que nous soyons dans l'effort constamment durant ces 10 jours et pour mériter en réalité ce pardon. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un pardon, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle naissance, une renaissance. Donc l'occasion de renouveler toutes nos intentions, tous nos projets spirituels, professionnels, familiaux, etc., etc. Et vraiment se dire que nous partons sur un nouveau départ. Ensuite, j'aimerais te raconter une histoire que le prophète alayhi salatu wassalam a racontée à ses compagnons. Voici un très beau hadith à méditer et dont l'application nous concerne tous sans exception. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam était avec ses compagnons lorsqu'il se mit à rire jusqu'à ce que ses incisives apparurent. Omar radiallahu anh lui dit « Oh toi qui es plus cher que mon père et ma mère, qu'est-ce qui te fait rire ?» Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam lui répondit « J'ai vu deux hommes de ma communauté, deux hommes à genoux devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'un d'eux dit « Seigneur, donne mon droit que celui-ci m'a pris. » Le Seigneur s'adressa à l'autre homme en lui disant « Donne à ton frère son droit. » Ce dernier répondit « Oh Seigneur, il ne me reste rien de mes bonnes œuvres. » Le Seigneur s'adressa alors au premier homme en lui disant « Que vas-tu faire de ton frère, alors qu'il ne lui reste rien de ses bonnes œuvres ?» Ce dernier répondit « Qu'il assume alors certains de mes péchés. » Les yeux du prophète alayhi salatu wassalam se mouillèrent alors de larmes et dit « Ce jour-là sera un jour terrible où chaque homme voudra que d'autres hommes assument ses péchés à sa place. » Il ajouta « Allah subhanahu wa ta'ala dit aux plaignants « Relève ta tête et regarde ce qu'il y a dans les jardins du paradis. » Il répondit, « Je vois au Seigneur des palais en argent et des palais en or, sertis de perles. À quel prophète, à quel saint ou à quel martyr appartiennent-ils, ya Allah ?» Allah subhanahu wa ta'ala répondit, « À celui qui en donne le prix. » Et il dit, « Et qui peut les posséder ? Et avec quoi, ya Allah ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit alors, « Avec ton pardon pour ton frère. » Il dit alors, « Ya Allah, je lui ai pardonné. » Allah lui dit alors, « Prends ton frère par la main et introduis-le au paradis. » Le prophète alayhi salatu wassalam finit par dire, « craignez Allah et réconciliez-vous, car Allah subhanahu wa ta'ala jugera avec équité entre les croyants le jour de la résurrection. » Alors pourquoi je t'ai cité ce hadith ? Tout simplement pour te dire que pendant les Laylatul Qadr, tu as un travail à faire avec ta relation avec Allah Azza wa Jalla. Tu dois renouveler ton contrat avec Allah Azza wa Jalla, demander pardon. Et c'est vraiment le moment de se repentir. C'est le moment, the moment, pour vraiment se repentir et demander à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner et de nous compter parmi les vainqueurs de cette nuit, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, maintenant que tu as fait ton travail et que tu t'es concentré sur ce que tu vas demander à Allah Azzawajal pour qu'il te pardonne et améliorer ta relation avec Allah Azzawajal, maintenant tu dois avoir ton deuxième objectif, c'est d'améliorer ta relation et de mettre les choses au clair et de clarifier ta relation et ta situation avec les gens. On espère le pardon d'Allah Azzawajal. Le minimum est de faire part également de pardon et de pardonner aux personnes qui nous entourent. Alors je t'invite à prendre 5 ou 6 personnes, moins ou plus, des personnes qui t'ont peut-être fait du mal, et consciemment ou inconsciemment, mais vraiment de te dire que ces personnes-là, aujourd'hui, durant ces 10 derniers jours, tu décides
de leur pardonner. Si tu ne peux vraiment pas prendre l'initiative d'aller voir ces personnes-là ou de les appeler, au moins retire-les de ton cœur, dans le sens enlève toute cette animosité, tous ces sentiments négatifs envers cette personne-là, nettoie ton cœur, purifie ton cœur et retire-les vraiment de ton cœur si c'est des personnes qui entachent ton cœur et envers lesquelles tu as des émotions, des sentiments négatifs lorsque tu entends parler d'eux ou lorsque tu les rencontres, etc., etc. Prends l'initiative de pardonner à ces personnes-là. Pardonne-leur vraiment sincèrement pour qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne. Et tu as bien vu dans le hadith précédent quelle est la récompense de la personne qui pardonne auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc, pour clôturer, je t'invite à mettre en place des actions concrètes durant ces 10 derniers jours de Ramadan. Donc, ce qui est important, c'est de répéter régulièrement Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Et à la fin du podcast, je le répéterai 5 fois pour que tu puisses t'entraîner si tu ne la connais pas, et tu pourras réécouter le podcast autant de fois que tu le souhaites jusqu'à ce que tu mémorises l'invocation, inshallah. Maintenant, on a cette invocation Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Concentre-toi sur tes demandes. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme objectif pour l'année prochaine, durant l'année? Des objectifs spirituels, des objectifs professionnels, des personnes qui sont malades dans ton entourage, des personnes qui sont décédées, auxquelles tu peux demander des invocations auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est vraiment le moment, parce que la nuit du destin, c'est une nuit de pardon, mais c'est aussi une nuit durant laquelle Allah exauce nos invocations. Donc, concentre-toi sur les compagnons, radiallahu anhum, disaient que durant la nuit du destin, ils réservaient des invocations précises qu'ils préparaient en avance et sur lesquelles ils étaient focus durant tous les 10 derniers jours. Donc, les compagnons l'ont fait. Donc, s'ils l'ont fait, ce n'est pas pour rien, c'est pour vraiment rester focus et demander, redemander, réitérer la demande plusieurs fois auprès d'Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien pour nous, il nous la donnera. Si c'est un mal pour nous, il nous éloignera de cette chose. Sache que dans tous les cas, Allah répond à ton invocation, quelle que soit la réponse. Il y répond sur terre ou bien il te la donnera, Inch'Allah, il te la réserve dans l'au-delà. Ensuite, ce qui est bien, c'est d'alterner entre les invocations du dhikr. Invoquer, faire 2 raka'at. Pendant tes 2 raka'at, tu restes focus sur les demandes que tu as à faire à Allah, les demandes que tu as à faire à Allah Azza wa Jal. Tu reprends avec un peu de dhikr. Tu es fatigué, tu appelles les personnes, tu crées des liens avec ta famille, tu reprends des nouvelles de tes parents, de tes tantes, de tes oncles, etc. pour avoir aussi des hasanat de Surat al-Rahim. Et puis tu pardonnes s'il faut pardonner, tu renouvelles les liens avec des personnes avec qui tu aurais peut-être coupé à cause de tes raisons personnelles. Et donc alterne entre dhikr, prière, invocation, sadaqa, si tu peux donner des sadaqa aussi régulièrement durant ces 10 derniers jours. Voilà les conseils que je voulais partager avec toi. Il m'a semblé important de partager, utile, Inch'Allah, de partager avec toi quelques conseils. Moi, ça m'est utile en termes de rappel et donc je partage avec toi. J'espère que ça te sera vraiment utile. Comme je te l'ai promis, on répète 5 fois ensemble Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 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 السلام عليكم ورحمة الله.